Hello tout le monde! Alors aujourd'hui, une vidéo toute courte, juste pour envoyer mon message de gratitude à la douleur que j'ai eue pendant presque une semaine, qui m'a appris beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses je me réjouis aujourd'hui d'être en bonne santé. Je vois à quel point les choses peuvent aller vite quand on se rappelle, on devient conscient de qui on est. Je ne suis pas ma douleur, je ne suis pas ce corps physique, je ne suis pas cette personne. Je suis la conscience. Et ce que je suis peut choisir à chaque instant. Ce que j'expérimente, si je m'identifie à ce que je suis vraiment, j'ai le choix d'expérimenter la douleur ou un corps physique en pleine santé. Et donc ça, j'ai fait cette expérience pendant cette semaine où je passais d'un moment à l'autre, la douleur, pas de douleur, la douleur, pas de douleur. Et je réalisais à quel point c'était tellement rapide. En fait, tu passes d'un état. Un état de douleur, car tu es la personne qui a des douleurs, à un état de une autre personne qui n'a pas de douleur. Tu changes de personne littéralement et tu fais des allers-retours tout le temps. Donc c'est à toi vraiment de choisir qui tu veux être. Si tu as des maladies, si tu as une maladie ou des douleurs chroniques, ne t'identifie pas à cette maladie ou à ces douleurs. Surtout si on dit c'est incurable ou quoi que ce soit. Ça, c'est la pire des choses que tu puisses faire, c'est d'accepter ça en disant bah, c'est incurable, je pourrai jamais guérir. Ça, c'est des conneries. C'est à toi de savoir qui tu es, que tu peux à un moment donné juste changer comme ça. Et donc, tu n'es pas cette personne. Tu es la conscience qui donne vie à cette personne. Et c'est à toi de décider qu'est-ce que tu veux aujourd'hui, quelle est ta vision. Branche-toi sur la santé, branche-toi sur ce que tu veux et rappelle-toi qui tu es tout le temps. Voilà pour aujourd'hui et je te dis à demain. Ciao.